Salut les stations fréquences, les bonnes chiennes 1351 à vous tous de la part de Dandy 33 et bonne journée. Non, il y a... ça a été 20 minutes. Il est en train de me dire qu'il fait son menu. Après, tu peux te faire plaisir niveau camion, quoi. Ben, bien sûr, voilà, au moins comme ça, t'as la garantie, quoi. Ah, puis lui, maintenant, là, voilà, il a son robinet, là, qui a fait son frigo derrière son robinet, il est fini de payer, c'est le plus ancien, c'était le plus neuf, je veux dire, et voilà, il a fini de le payer tout ça, il avait pris sur 3 ans, il a fini de le payer tout ça, mais là, il a le vieux de son père, mais bon, le Lambéré, mais bon, il veut le changer aussi, mais... Après, quand tu vois, toi, déjà, quand t'as pas les remorques à payer, déjà, c'est nickel, quoi. Ah oui. Il a essayé, là, les nouveaux frigos, là, avec cryogénique, là, tu sais. Ah, il m'a dit, hein, t'as pas un bruit, il m'a dit, t'as rien, hein. Putain. Ah ouais, ouais. C'est un circuit cryogénique, comme les frigos, toi, avec gaz argon, tout ça. Bon, il faut que tu le remettes à niveau tous les ans, tu vois. Mais il me dit, t'as pas un bruit, t'as rien, il me dit, t'as juste le bruit d'une turbine, tu sais. Mais toute petite, toi, t'as plus de moteur électrique, t'as plus rien. Ah, okay, c'est vrai que putain, les frigos, Marc, moi je dis ça, mais quand je dormais dans la cabine, moi, avec toi, que ça m'a bercé quand je mettais en route. C'est vrai que c'est l'habitude, hein, 1002, c'est l'habitude, hein. Ah oui, bon, c'est vrai qu'après, bon, les gens qui sont à côté de toi, c'est pas cool. Ben voilà, voilà. Moi j'aime bien quand j'ai un frigo, j'avais mon Mercedes là, en boîte de frise là, j'ai mis les caméras sur les côtés, j'avais tout la rampe de part tout là, sur le poids et le carreau. Quand j'accrochais le frigo, il paraît que tout là, on parle de tout ça. Ben oui, hein, c'est sûr que ça fait jouer ensemble, hein. Par mois, ça fait beaucoup, hein. 1 million d'euros par an, il gagne, mais il va
Mehdi Brahm. T'as vu, lui, il a bien négocié son contrat, hein. Les impôts, c'est le revenu, c'est le club qui paye, hein. Bon, mais les Arabes, ils ont du pognon. Pas longtemps, c'est pas ce week-end. Moi, c'est le week-end là-bas. C'était le samedi, le dimanche soir, il y a Capital. Je leur dis, il y avait une émission, c'est le Qatar là-bas, sur des émirs là-bas. Il faut voir les millions là-bas, ils ont des millions à la peine là-bas. C'est un pays tout neuf, le Qatar. Hein. Un pays riche. Sur les barreaux du balcon, il y a des pales du bâtiment de 3 mètres. Peut-être que ça fait, oui, peut-être que la façade de l'immeuble le rend directif, il y a peut-être ça. Mais écoute, pourtant, je me suis dit, c'est une verticale que j'ai, donc, alors j'ai voulu la monter, mais bon, ça me fait chier parce qu'après, il y a encore plus de prise au vent, mais apparemment, tu vois, je la laisse comme ça, je fais de mon contact, c'est la Guyane, tout. Par contre, là où j'ai des problèmes pour les capter, c'est dans le nord, quoi. Tu sais, tout ce qui va être le Pas-de-Calais, tout comme ça, là, je les reçois en réception, je les reçois tout petit. Alors, peut-être dans le temps, je sais pas, mais moi, en réception, là, c'est pas bon. Ah, c'est un tif. Ah, un bon. Ben ouais, parce que, comment dire, la façade de l'immeuble réfléchit d'un côté, donc je pense que ça doit jouer, ça la rend directive, ton antenne. Comment les ondes sont réfléchies par l'immeuble et d'un côté, tu dois avoir plus de d'ondes qui partent d'un côté que l'autre. Ouais, on m'avait expliqué aussi que c'était des verticales, parce qu'il y avait une différence entre les directives, c'est des ondes de sol, et les verticales, apparemment, si j'ai bien retenu la leçon, c'est des ondes qui montent sur l'atmosphère, qui ricochent, et c'est pas du tout pareil. Alors si eux, ils sont en directive, ils ont vraiment du mal à... c'est pareil, tu comprends, au niveau de la différence entre la directive et puis le vertical, ben, tu dois connaître. Ouais, ben... directive est en polarisation horizontale et l'autre est en polarisation verticale. En gros, c'est ça. Hein. Ouais, ce que je voulais faire moi un moment aussi, c'est, tu vois, moi j'ai mon bâtiment, je donne des deux côtés, tu vois. Alors moi j'ai mon TX, c'est mon matériel de trafic qui est dans une chambre que je me sers de bureau, tu vois, moi j'ai un type 5, tu vois. Et là, ce côté-là, tu vois, c'est juste à côté d'une fenêtre qui donne plein nord, tu vois. Tout ce qui est nord. Alors j'aurais voulu me trouver une petite antenne, tu vois. Je sais pas si existe des antennes en forme de parabole directive, tu vois, que j'aurais pu fixer avec un support au niveau de ma fenêtre pour l'orienter sur le nord. Je sais pas si ça existe. Ouais, là, je sais pas trop, hein. Je me rappelle, il y avait les antennes boomerang aussi, avec un seul radiant, et le radiant avait tendance, c'était justement, on appelait ça les antennes de balcon, la boomerang, il n'y avait qu'un radiant, et le radiant avait tendance à la rendre directive, mais là, je sais plus, là, j'ai un peu décroché, ouais, je suis assez sur mes 5/8, là, je sais pas trop, là, mais enfin, bon, là, je suis en train de voir, mais, putain, je crois que j'ai raccourci cette antenne, parce que, mais ça va plus être une 5/8, une demi-onde avec des radiants. Oh, bien sûr. C'est pas bon. Alors, voilà, je vais raccourcir les radiants, ça sera peut-être mieux. Parce qu'ils sont peut-être un peu trop longs. Alors là, tu vois, c'est pas trop ma tasse de thé, là. Tu vois, je pourrais pas trop se dire. Hein. Ouais, j'ai le choix. Qu'est-ce que... T'as jamais demandé pour essayer de la mettre sur le toit du bâtiment, une autorisation je sais pas si t'es en syndic, comment que ça marche. Si c'est de la chèvre, j'en sais rien. T'as jamais demandé l'autorisation? Non, mais tu vois, je préfère pas, tu vois, parce que là, on pourrait me dire, tu vois, elle est fixée sur mon... J'ai un balcon, tu vois, avec des barreaux et tout ça, et elle est directement fixée dessus, et j'avais pensé à la prolonger, mais le problème, c'est que quand il y a des tempêtes, là, où ça souffle, déjà, je vois comme elle est là, et quand vraiment il y a des tempêtes et que ça pousse, elle se tord pas, mais tu vois, ça bouge pas mal, et pour que j'arrive juste au-dessus du bâtiment, il me faudrait deux fois 2 mètres de mât, tu vois, c'est pas énorme, hein. J'y pensais le faire, mais le problème c'est que je te dis, j'ai peur après que quand ça souffle trop, qu'elle pète l'antenne. Parce que normalement, il y a une certaine hauteur, il faut baler. Ah, bah oui, effectivement. Et qu'est-ce que je veux dire au niveau.
en perturbation, t'as pas de soucis. Ah oui, moi, tu parlais au niveau des QRM, toi? Oui, QRM TV, je pense pas, parce qu'avec le numérique, ça le fait plus. Mais tu peux avoir des problèmes avec les unifis, des trucs comme ça peut passer. Mais non, ouais, parce qu'en plus, tu vois, j'ai pas un peu de sauce, pratiquement, je dois avoir un peu de sauce, tu vois, il y a un peu de puissance même. Ah ouais, mais bon, le TOS n'empêche pas le QRM, hein. Faut faire gaffe à ça. Ah, je me rappelle, quand j'ai commencé, on se servait pour avoir l'autorisation, parce que moi j'ai habité Paris pendant longtemps, et j'avais commencé à faire du 11 mètres à Paris, et quand on était dans un immeuble de 11 étages, et pour avoir l'autorisation de mettre l'antenne, je me rappelle à l'époque, ça remontait il y a longtemps, il fallait présenter une licence. Alors l'astuce, c'était de demander une licence d'écoute. Ah, c'était con que ça s'appelait, je ne me rappelle plus, une licence FE, tu avais un indicatif FE, et il fallait avoir une assurance pour l'antenne et la faire installer par un pro. C'est comme ça qu'on arrivait à monter nos antennes sur le toit des immeubles, et quand tu avais tout ça, ils ne pouvaient pas te le refuser, tu avais l'autorisation. Ah, c'est ce qu'on avait fait, on avait monté une 5/8, on était au 11e étage, je te dis pas, ça cartonnait. Hein. Bon, en plus, on était sur une butte, oh, aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 30 ans, hein. Mon beau, ouf, ah, j'étais jeune. Hein. Ah, Jean-Baptiste, et tu modules avec quoi comme matériel, toi? Ah ouais, c'est le Lincoln, là, toujours, c'est le président de Lincoln, et le micro, c'est un Turner plus 3B, là, et puis l'ampus, c'est un Spoken 200, Spoken 250. Ouais, tu vois, j'avais un MB plus 4, moi, de base, mais tu vois, je suis repassé à mon micro mobile amplifié, au niveau contact, tu vois, tout le monde m'a dit, c'est beaucoup plus fort, ça passe beaucoup mieux, et c'est vrai que, depuis que je suis repassé le mobile au lieu du MB plus 4, et bien, je fais davantage de contact. Hein. Ouais, mais bon, ça te donne plus de vitamines au niveau de la modulation, peut-être. Mais bon, ta radio, elle est claire, disons qu'elle est percutante, ouais, elle percute, elle cartonne. C'est surtout ça qu'on peut dire. Hein. Ouais, en plus, toi, t'es pas loin, je pense. Moi, je suis assez stas, à Gazinet, Villeneuve d'Ornon, Gazinet, ouais, je crois que je regarde un peu. Ouais, on n'est pas menti. Et à propos, je suis allé au Ligonier, dimanche, il y a un monde, oh. Dans les petites allées, là, on peut plus passer, là, oh, c'est atroce. Voilà, affirmatif, ouais, c'est qu'il y avait le vice-grenier. Là, normalement, la radio doit être moins agressive, j'ai baissé un petit peu au niveau du micro du poste. Ouais, c'est vrai, bon, maintenant que tu me le dis, ouais, autrement, j'ai pas fait gaffe, hein. Ouais, bon, s'il n'y a pas trop différent, c'est déjà mauvais. Allez, je remonte au maximum comme c'était. Ouais, non, c'est pas... moi, tu sais, ma radio, elle est à peine, même pas au tiers de la puissance. Le tourner, elle est très sensible. On peut pas trop le pousser, le micro-tourner, le mien. Ouais. Bah, c'est un vieux clou, hein, c'est pareil, il a 35 mois. De toute façon, la CB, le 11 mètres, on va plus dire de la CB, on va dire le 11 mètres, je commençais à en faire, moi, en sortant de l'armée, en 1980. Quand j'étais dans les transmissions, j'avais pris un peu le goût de ça, et puis en 80, je commençais à en faire, un copain m'avait montré ça, et alors, tu vois, c'est vieux. Mais j'ai eu une période creuse de plus de 10-12 ans environ, avant de m'y remettre. Je comprends. Ouais. Mais moi, c'est pareil, je suis resté pendant plus de 15 ans. Oui, c'est facile. Ça a arrêté. Quand tout le monde a arrêté sur le 19 et tout ça, après, quand j'avais déménagé, j'avais la possibilité de moduler. Pardon. Et puis, donc comme j'avais pas possibilité, j'ai tout arrêté. J'ai repris un petit peu, puis là, j'ai mis sur envie, hein, tu vois, j'avais possibilité de mettre à l'antenne et tout. Et, bon, ça marche. Moi, j'ai un Jackson, tu vois, j'ai produit avec un Jackson. Bon, il y a dessus, j'avais fait installer par l'LGD un fréquence mètre, tu vois, donc c'est quand même plus agréable quand tu cherches les canaux, pour changer de canaux, les décalages en fréquence et tout ça, c'est mieux. Mais moi, ce que je recherche, j'ai deux Jackson, j'ai celui dans lequel je vois les fréquences mètres, et j'en ai un autre que j'ai mis en vente sur eBay, et que j'ai mis aussi sur le bon coin, tu vois. Et si j'arrive à le vendre, je voudrais me trouver un Lincoln, aussi, tu vois. Ah, mais il y en a un à vendre sur le bon coin, là. J'en ai vu l'autre jour, j'en ai vu un à 100 euros, et bon, moi, là où je me méfie, c'est que
vieux code, ils mettent pas la photo, tu vois, ils mettent une photo qui est déjà dans un magazine. Ah, ça, je me méfie. Mais, ouais, sur le bon coin, tu vois. Ah, mais attends, il me semble que j'en ai vu un. Quelqu'un qui était dans le Médoc qui en vendait un autrefois, à Lincoln. Je sais plus où c'était. Il était dans le Médoc, hein, maintenant, dans quel état il est, attention. Hein. Je l'ai vu une autre fois sur le bon coin. Sous tous les sens, je regarde comme ça s'il y a des bonnes affaires. Entre mes petits trains et ça, je fais à chaque fois le bon coin. Et il y en avait un, effectivement, il y en avait un, et c'était dans le Médoc, mais je sais plus où exactement. Hein, bah, parce que c'est rare hein, d'en trouver sur la Gironde. Hein. Là, tu vas en trouver sur toute la France, bah, il faut t'as les frais de port en plus. Hein. Ouais, ouais, il y en a un, j'ai vu en vente là, à la salle subtile, c'est caméra que j'ai vu. Mais de toute façon, je ne pourrais pas l'acheter, tant que c'est pour ça que je n'ai pas vendu l'autre Jackson. Parce que j'ai mis du matériel, j'ai mis avant, moi, j'ai mis une avis aussi, avant, moi, sur le bon coin, tout ça, dans le récit du bain. Et tant que je n'aurais pas vendu le Jackson et puis la livre, enfin, mais surtout le Jackson. Parce que là, après, avec l'argent, je me prendrais les cons, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que tu tapes, toi, sur le bon coin pour le matériel civil? Parce que moi, je marque. Je tape CB tout court et ça donne plus d'annonces, c'est pas évident le truc. Non, mais si je cherche un président Jackson, je tape président Jackson, et puis alors au début je regarde dans téléphonie, ou alors images et son, les sous-catégories, ou alors tu mets toutes les catégories, et puis dans toute la France, et puis je fais chercher. Ah ouais, parce que moi je marque toute catégorie, je tape CB, et toute la France, et je vois tous les trucs qui s'affichent. Mais bon, je sais pas, ça, par jour, il y a quoi, une dizaine de plus, c'est tout, hein, c'est ce que je trouve, moi. Ouais, non, il faut pas que tu tapes CB, tu tapes directement, tu veux un président, c'est ce que tu recherches. Si tu veux, par exemple, l'Ampi, tu tapes Zetangui, si comme moi, tu tapes Zetangui par exemple BV131, et tu vas voir tous les Zetangui BV131 qui vont s'afficher, tout ça, voilà. Si tu veux un président Jackson, tu tapes président Jackson, ou président Lincoln, ou ce que tu veux, quoi, ouais, voilà, hein. Ou une alimentation, tu tapes alimentation CB, voilà. Ah ouais, mais moi je recherche pas un truc bien précis, c'est pour ça, c'est un peu ce qui va venir, ce qui va percuter, donc tu comprends ce que je veux dire, je cherche pas spécialement un Jackson, je cherche pas non plus, hein. Donc c'est un petit peu ce qui va y avoir, donc c'est pour ça que je tape CB, et voilà, ils ont toute catégorie, et en général ça va... Ben, c'est pas évident leur moteur de recherche au bon coin, si je reproche un peu. Ouais, ouais, tout à fait, mais tu tapes matériel civil dans ces cas-là, tu vois. Non, mais là, je me suis trouvé une alim, là, ça y est aussi, une 25 ampères, hein, par un collègue qui fait de la module, là. Donc là, il faut que j'aille la récupérer, que je prenne rendez-vous avec lui. Comme ça, je vais pouvoir enlever mon BV131, je vais pouvoir remettre mon GS5-Cron A300P. C'est vachement beaucoup plus puissant, c'est 140 minimum, 140 watts mini, 400 watts maxi, quoi. C'est une chose, ouais. Ah, ouais, affirmative, attends. Allez, je viens d'allumer l'ordi, là. Hop, ouvrir, le temps roule, le temps qui chauffe, celui-là, il est pas très rapide. Ah, mon Y, là.